There are places on this earth that are blessed by the gods. And it seems the Austral archipelago in French Polynesia is one of them. Je peux dire que c'est un petit paradis. Oui, il faut l'avouer. Je l'avoue que c'est un paradis sur terre parce qu'à chaque fois, lorsque nos touristes viennent ici, à chaque fois, ils terminent par l'île de Rimantara et ils disent que c'est l'apothéose, quoi. Déjà, je suis fier d'appartenir à cette île petite des Australes. Elle est belle, elle est bien située. Pour moi, l'océan est le grand marais sacré dans la mémoire des ancêtres. C'est ce qui lie ces pierres au monde de l'invisible que le marais sacré, le grand large. C'est ça le lien qu'on a avec l'océan. C'est quelque chose de, on va dire, pour nous, de divin, de saint. This is a chance for the Austral Islands. But for how long? Oceans are threatened worldwide, particularly by overfishing. On connaît ce qui se passe dans le monde, toute cette surpêche. Le nombre de thons obèses a diminué dans tout le monde de 84% ou de 80%. Le germent de 60 ou de 70%. Il est méhi, harorato taïboumé. Avec cette surpêche, je ne sais pas s'il va rester encore des poissons pour demain. Fishermen from the Austral Islands and French Polynesia are not responsible for this overfishing, but they are its victims. Matamu, elle est proue meilleure matamu. Des mana te huru, moi moi la tia, hanu atulu tu te atiara. Pour moi, parce que là, quand tu regardes maintenant, c'est pas comme avant. Avant, quand tu arrives, ça y va. Mais là, il n'y a que des petits. Aujourd'hui, quand on va à la pêche, on est obligé de s'éloigner. Pourquoi? Parce que c'est pêché en amont. Les poissons n'ont pas le temps d'arriver chez nous. C'est capturé avant. Et il dit aussi qu'il a observé depuis assez longtemps que le stock de poissons diminue. De plus en plus, il y a moins de gros et même les petits, ils en trouvent, c'est dur. Hein. Ben, le témoignage d'un pêcheur de l'âge, il disait que quand il y a 10 ans, plus de 10 ans, il faisait la pêche avec son père. En 2 heures de temps, il ramasse du poisson. Aujourd'hui, c'est toute la journée pour avoir un ou deux poissons. A growth in industrial fishing in the waters of the Austral Islands aggravating the situation and will have a significant impact on the local residents who depend on marine resources. Oui, on dépend, on est tributaire de l'océan, on dépend de l'océan. On ne vit que des produits de la mer, notamment à Rimantara. Il y a très peu d'élevage. L'élevage que nous pratiquons, c'est le cochon, les chèvres, mais on est des grands mangeurs de poissons. On préfère manger du poisson au poulet ou du poisson à la boîte de sardines et au ito. Et probé on a de mon aïe, on a de la patrimoine, hein? On a de la vie et on a de la main.
Alors déjà, le lien avec la mer, c'est déjà un garde à manger pour nous, hein, parce qu'on se nourrit de ce qu'il y a, de ce qui est sur, tout autour de notre île. Et si cela continue, ben, on n'en aura plus autant de poissons, quoi. Espérons que dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 20 ans, on pourra encore pêcher, ou nos enfants. Tene haru na he te o te mo no to ma ai. O no ita tu e wara wara ro te ai tene pou ro te ia. Ni ta mo tu hape pe ara. Yo mo te mo pui ra he te o te fenu. E tu a pai ni i ru ra to ta mu te. Trau o ma na na ra mo pui ra ai no mo re na o mo yo ta ti ti ra. Me pu e trau o ta no ra me pe ne ai te o ru botai te o re ia no ta tu ni. C'est flippant, c'est des gros navires qui vont pêcher pas très loin ou peut-être assez loin, je ne sais pas, mais qui pêcheront pendant 3 à 6 mois, qui vont traiter, conditionner le poisson sur place. Ils vont vider l'océan, ça c'est sûr. Le jour où on abattra le dernier arbre et que la mer soit polluée et qu'il n'y aura plus de poissons, c'est là où on va se rendre compte que l'argent ne se mange pas. Que donnerons-nous à nos enfants demain? Des clopinettes. Quand il n'y aura plus de poissons, ou bien alors ça devient très très cher parce qu'il en reste juste un petit peu, il faut acheter ça, et bien justement, comme on dit carrément ici en Polynésie, ben ils vont vivre, ils vont manger cailloux à ce moment-là. For this reason, in 2014, the 5 municipalities of the Austral Islands decided to take their destiny into their own hands and vote for a resolution calling for the creation of a large marine reserve off their islands that the citizens named Rahui Nui no Tuha'a. Sinon, voulant mettre en place une aire marine protégée, un Rahui, c'est bien évidemment pour faire une préservation des ressources naturelles, de manière à ce que les générations à venir puissent en bénéficier aussi, comme nous en bénéficions aujourd'hui. Oui, la commune a pris une délibération et s'engage et il restera dans cette décision qu'il a prise et il ne va pas reculer en arrière. J'espère aboutir ce projet de Rahui Nui des Australes. Subsequently, extensive consultations were conducted in each district of each island to ask the people what their proposals were for sustainable management of their marine environment. Bon, c'est en 2014, après les 5 délibérations des communes de Tuha'a, c'est-à-dire des îles australes, les consultations, disons, de la population ont été mises en place. Pour les statistiques, il y avait à peu près 60 réunions qui ont été tenues dans tous les districts, donc tous les villages, et les sous-communes, les communes, bon, et 60 réunions pendant 7 années et demie. Alors dans ces ateliers-là, justement, on a fait très très attention avec des petits groupes de 5 ou 6. Bon, les questions, enfin, le problème a été exposé en français,
et en tahitien. Et là où c'était absolument nécessaire, rien qu'en tahitien. Et ensuite, on demande l'avis de chacun des personnes qui étaient présentes et on les mettait. Et on les mettait nous-mêmes sur post-it. Et à la fin, donc, en regroupant tous les ateliers, on fait donc une séance de synthèse avec l'approbation de tous les représentants, enfin tous ceux qui sont venus pour cette réunion-là. Donc on peut dire que ce sont vraiment des idées des gens qui étaient présents ce jour-là. The consultations gave rise to the big Rahui for the Austral Islands, a marine reserve of 1 million square kilometers, following the example of the traditional Rahui. On connaît le bienfait du Rahui traditionnel. Regardez Rapa. Rapa n'a plus rien à démontrer. Rapa Hawaii. Alors le Rahui Arapa, comment il fonctionne? En fait, déjà au départ, c'était une mesure de gestion pour les ressources marines. Bon, ça existait aussi dans le milieu terrestre, mais on l'a remis en place pour le milieu marin dans les années 1980. Alors effectivement, le Tohutu en fait a mis en place, a décidé en fait d'étendre le Rahui côtier au large, dans l'appelant le Rahui Nui no Tuha'a. Alors, le sonnage qui a été proposé par la population des Australes, il est clair, il est simple, car les gens, avant, ils avaient peur que nous, on bloque tout. En fait, non. Quand on regarde bien la carte de zonage, on voit un cercle autour de chaque île, qui fait un rayon de 20 000 nautiques. Cette zone, elle est réservée pour les habitants des Australes, pour les habitants des îles. Et au-delà de cette zone, vous avez une zone d'un million de kilomètres carrés autour, incluant toutes les îles des Australes, avec l'îlot Maria et Morotiri, et cette zone s'arriverait de réserve marine. Ça revient aussi au respect de tout ce qu'on fait, de la nature, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on pêche et tout. Donc je pense que c'est très important le Rahui. Lorsque je fais appel à mes collègues maires des autres îles des Australes, je leur dis effectivement qu'il faut qu'on arrive à mettre en place cette aire marine protégée. Et de toute façon, le maire de Rapa est déterminé pour aller jusqu'au bout. Nous rirons matou, et au retour à Ouirae, et à Pai, notre moto mea. This project could help support local fishing, but also contribute to the regeneration of Pacific stocks. Rimatara, les Australes vont bénéficier de ce Rahui Nui, mais également ceux qui vivent au-delà de la limite des 200 000 qu'on veut mettre en place. Cette zone servirait plus ou moins pour moi de nurserie. Ben, le Rahui Nui, c'est en fait, on va dire que c'est le meilleur projet qu'il peut y avoir en Polynésie. Les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est déjà avoir un stock de poissons
que ce soit pour nous, petits marara et tonniers. Yaura, il fait le mais il m'a été au poids, mais il m'a été au poids de tienne. Il y a où on était, il parlera à tout nabo. L'autre, on est mon ou une yamato, mais il y a tout n'a pas été, n'a tout été mon paille à tout. Nanabo, namo, tofra, to ino, namo, et il m'a été au mofiara, à l'autre, et on était, et penne, ou les mon ou une routine, et à tout nabo, et m'a été au fiar, tonni, et la matitia, et pas tout à peine. The Rahui Nui can also help make the Austral Islands world renowned to develop ecotourism. The Mauratere Pōwene o Mātou, me anomai a nāna e te parau o te tōra. Nā te mea e te tōra ini o Mātou ni, me e piriro mai o nei te pai au. E re te mou mana ope ao tiunu, are rōna re te mou awai atapa, e mou mana matamu no noema, oira a te tōra. Nous espérons justement avec cette terre marine protégée que nous aurons plus de touristes. Hein? Au niveau de l'écotourisme, ça c'est très important pour nous. Comme ça, nous allons pouvoir nous rayonner dans le monde. On va nous regarder de ce côté-là. Que les gens australes, eh bien, ils ont réussi à mettre en place une aire marine de cette taille-là. C'est vraiment un projet très, très ambitieux de notre part. Justement, hein, les Australes ne sont pas du tout connus, donc... avec cette aire marine protégée, tout le monde saura que justement Rimatara, Topoe, Rebaver, Uroto et Rapa, ils sont justement dans ce système d'aire marine protégée. Il y a plus de monde maintenant qui pense écologie, voilà. Et le Rahui Nui favorise l'écotourisme, voilà, et attire les touristes. It would also be a tool for education about protecting the environment. C'est un sujet qui les intéresse fortement parce que dès qu'on parle d'environnement, donc on parle de protection, ils ont cette conscience que on parle également de leur avenir. Donc on a écrit cette charte en classe sur la base de la charte de l'environnement de la France, une charte de l'environnement de 2004. On l'a adaptée au Fénois, à Tupoué. Alors c'est un projet d'écriture que j'ai mené avec ma classe la rédaction d'une charte. Au départ, c'était pour participer à un concours qu'avait lancé l'association Temana Otemoana. Et ça vient aussi en complément et en soutien du projet de création d'aires marines protégées aux Australes. C'est important de ce que Rapa continue de faire. Parce qu'il est en train d'interpeller toutes les îles de Rahui Nui à suivre cet exemple-là. Parce que c'est important de revenir au Rahui. Et mon église me dit que Dieu a créé le monde, la terre et la mer. Donc on doit respecter tout ça. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut suivre l'exemple de Rapa. Après, il faut aller plus loin, sûrement, comme le projet du Rahui Nui. The Rahui Nui will also enhance and maintain Austral Islands culture. Mita pamitata.
Il ne faut pas que nous, on change. Il ne faut pas qu'on se transforme. Il faut qu'on reste tel. Et de montrer ce qu'on a, les vraies valeurs de l'île. Et c'est ça un peu ce qu'il faut faire découvrir à d'autres. C'est ça le lien, parce que les marais qu'on a ici, c'est la représentation des grands lacs, des voyages. C'est ce qui lie nos peuples. On s'enracine. On est lié à la mer. C'est pour ça que ce Rahui est important. La mission, c'est de protéger l'homme. Et si on ne protège pas l'océan, on ne se protège même pas aussi, nous. Voilà le message que je voulais emmener pour le Rahui Nui, nos tuha'a. Mais je sais qu'ailleurs, ils font aussi. Il y a des exemples ailleurs. À nous maintenant de suivre cet exemple. Qu'on soit aussi, nous, un exemple. Voilà le Rahui Nui, nos tuha'a. Donner l'exemple. This large Austral Island Marine Reserve also reflects a form of solidarity with other Pacific Island states that have already made this choice. It is a project of hope for future generations. Protéger cette zone pour les générations à venir. Il faut mettre les enfants devant. Il faut pas penser qu'aux adultes. Il faut penser aux enfants. La terre appartient aux enfants. Moi, je n'ai pas envie de m'excuser auprès des générations futures pour ne pas justement avoir agi à préserver leurs ressources. J'aimerais bien qu'ils mangent le même poisson que je mange aujourd'hui. Il est nécessaire de mettre, il est important même, de mettre en place cette aire marine protégée pour l'avenir de nos enfants. C'est important pour nous parce que ça fait partie de la création de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été voilés à la population et la population nous soutient dans ce projet-là. Du Rahui Nui, notre papa. Tu veux dire que nous sommes Rahui. Tu veux dire que nous sommes Rahui. Rahui, il faut le faire. Il faut le faire, ce Rahui Nui. Le Rahui, il faut vraiment le faire. Oui, pour moi, il faut faire ça. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire. Et là où nous, il faut continuer, il faut faire. Ah, il faut. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut convaincre qu'il faut le faire. C'est le moment d'action, là. N'attendons pas qu'il soit trop tard. C'est le bon moment de le faire. J'appelle tout le peuple de ce Austral et il faut debout.